Et oui, il y a toujours la commande. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait les pires jeux. On a fait que Balan pour le moment, Balan Wonderworld. Et après, il s'est passé trop de choses depuis Balan. Pour continuer le concept. Il y avait trop de trucs en cours. Il y a eu Mario Wonder, Spider-Man 2. Il y a eu plein de choses. C'est le sachet 4, hein, au passage. Donc, j'ai laissé un peu ça de côté. Et il va falloir que ça revienne. Internet, genre élu par Internet ou jeu style Flash? Non, plus ou moins élu par Internet. Genre, on avait pondu cette liste de 10 jeux en cherchant sur plein de sites différents des jeux qui étaient tous catégorisés comme étant bien pétés. Et ce que j'avais fait... C'est Electro, j'adore Electro. Ce que j'avais fait, c'est que... J'avais créé cette liste et j'avais gardé les jeux qui étaient nuls, mais rigolos ou intéressants à streamer. Voilà, pour pas que ce soit trop chiant pour vous non plus. Et cette liste, si tu utilises la commande point d'exclamation liste, tu auras les jeux en question. Et on a fait Balan Wonderworld pour le moment uniquement. Voilà, Superman 64, Link Face of Evil, Bubsy 3D, Sonic 2006, Spyro, Enter the Dragonfly, l'épisode Gamecube, Balan Wonderworld, Raven's Cry, qui est une sorte de jeu d'aventure MMO PC, King of Crusher, qui est un vieux jeu de l'époque de la PS1, je crois, Action 52, qui est une compilation de jeux nul à chier, qui avait sur une vieille console, je me souviens même plus laquelle, et Drake et les 99 Dragons, qui était sur Xbox 360, et qui est connu pour être bien à chier. Et vous noterez, pour ceux qui suivent la chaîne de JDG, qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été traités par JDG. Là-dedans. Pour des bonnes raisons. Du coup. Hop. Regardez la petite tête d'Electro comme il est mignon. Avec son petit masque, là. Il est mignon, hein. À propos de Bubsy 3D, vous avez appris qu'Atari veut le refaire? Oh, sérieux? Vu l'aura qu'a Bubsy aujourd'hui, c'est pas une mauvaise idée en soi. Genre, il y a plein de gens qui vont être curieux et qui vont vouloir le prendre juste pour voir est-ce que c'est toujours de la merde ou pas. Je pense que ça va se vendre. Faut détacher les trucs, là. Ils disent qu'il faut détacher les trucs. J'aime beaucoup la démarche. Ouais, carrément. Ils font appel aux devs pour leur pitcher une propale et éventuellement suite. Ah ouais. Putain, je savais pas, c'est cool. Peut-être que, du coup, si on le stream, d'ici à ce qu'il sorte, peut-être qu'on aura envie de faire le... J'arrive pas à l'enlever. Le remaster, une fois que ce sera fait. Imaginez. Mais là, du coup, je vous tease pas lesquels je vais faire. Samedi prochain. Mais on va faire ça. Par contre, je me tâte. Est-ce que je vous dis... Est-ce que vous avez envie de savoir ce que j'ai prévu pour les 1000? Parce que ce que je me disais à la base, c'est que je vous tease les 1000 le jour où on fait les 750. Vous voyez? Je crois que c'est ça qu'il faut. Ok, donc comment ça marche? Je mets ça là. Et j'utilise ça pour fermer. Ah oui, il y a un petit kiki. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit kiki que je peux insérer là pour fermer l'éclair. Comme ça. Oh. Et il en faut deux, apparemment. Le petit kiki. Arnaud influenceur, ouais, c'est l'idée. Erwan, il veut savoir. Tu crois si je dis non? Garde la surprise. Non, mais je comprends. J'ai bien envie de garder la surprise. Je l'ai, mais en fait, je l'ai en tête depuis pas très longtemps. Je brainstormais avec Rousse, justement, il y a quelques jours là-dessus. J'étais en mode, putain, je vais faire les 750 follow dans pas très longtemps. Mais j'ai toujours pas d'idée pour les 1000. Je sais pas quoi faire. Et du coup, on réfléchit ensemble à une idée, et on a fini par trouver. Genre, j'ai trouvé les trucs, mais elle posait les bonnes questions.
pour m'aider à trouver. Oh, on dirait des ailes. Relinu. Ok, je vous garde la surprise. Soyez là le week-end prochain, samedi. Je vais teaser ça bientôt, je vais faire un petit visuel pour le teaser. Et soyez là samedi. Voilà. Pour savoir, en fait, finalement... Toulou, toulou. Faut faire 4 éclairs. Hein. Touloulou, touloulou. Et ils s'emboîtent les uns sur les autres. Incroyable. J'ai envie de vous tease, c'est horrible. Je dis rien, je dis rine. Je dis rine. Voilà! Electro, piou-piou, piou-piou-piou. Regardez comme il est cool. Attendez. Tout, 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 tout. Je réfléchis. Est-ce que tu vas faire le nouveau pitch? J'y pense, ouais. J'y pense. Il y a des chances. Je sais pas, je... En fait, ça va dépendre de ce que... Désolé, j'avais des messages. Ça va dépendre de ce que... de ce qu'il y aura en cours sur la chaîne au moment où il va sortir. Mais s'il y a de la place, genre admettons on a fini Oracle of Seasons à ce moment-là, on peut dire le prochain jeu, c'est Peach. Parce qu'il me fait bien envie ce petit Peach là. En vrai. Quand j'avais vu le trailer, j'étais bien hype. Ça vous brancherait vous ? Qu'on découvre le jeu Peach. Voilà, les trailers, il me fait penser à Balan. Ouais, dans les couleurs et dans la DA et dans l'ambiance, j'ai l'impression qu'il y a un peu de Balan. Si ça se trouve, c'est Balan en bien, quoi. Imagine. Voilà, il lance des gros éclairs, électro, à gougou. À gougou, piou piou piou, piou. Oui, il y a un jeu Peach qui va sortir sur Switch. C'est pas un platformer, j'arrive pas à définir exactement, mais... C'est Peach Showtime sur YouTube. C'est quoi ? On va regarder le trailer. On va regarder le trailer. Ouais, ça doit être ça. Ah, attendez, faut que je coupe l'autre musique. Chute. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then... Terra, vous entendez bien? Ça ressemble à Balan, ça. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy.
Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone ça a l'air tout mimes. Always cut it, though. So let's do this. Du coup, elle change de costume aussi comme dans Balan, si j'ai bien compris. Oh. Whoa, Peach transformed into Swordfighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Et j'avoue, j'avais pas tilté à quel point ça pouvait être proche de Balan, à part le côté 2D. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach. Investigate clues and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Pâtissière Peach and save it from a sugar crash. En vrai, ça peut être un petit jeu mime, c'est un mime souille sympathique à faire pour la découverte, tu vois. Moi, je suis bien chaud, quand même. Oh là là, elle est ninja. Enfin, art martial Peach. Ça a pas l'air hyper dynamique. Non, ça a l'air d'être un peu tout tranquille, hein. Mais c'est pas grave, on fait déjà pas mal de jeux dynamiques, ça peut être cool d'avoir un petit jeu de chill de temps en temps, non? Ça vous hype pas, vous? Alors, les gars ont fait le 100% d'Animal Crossing en termes de jeu pas rapide. Coucou Rourou! En termes de jeu pas rapide, ça se pose là quand même, hein. Animal Crossing. Je dégage le clavier, pardon. J'y jouerai pas perso, mais je regarderai bien. Bah voilà, PKP. Hein. Ce qu'on regarde, c'est le premier trailer. Il y en a un autre qui montre d'autres transformations. Ouais, j'ai vu qu'il était sorti il y a pas longtemps. J'ai pas trop envie de me spoil en vrai. Alors non, si je me projette en tant que joueur, mais à voir, je dis pas non. Bah voilà. Genre, c'est peut-être un jeu que probablement. C'est un stylo. C'est un jeu que probablement pas tout le monde n'aura envie de faire. Si je peux vous le montrer, c'est capa, hein. Ça va, Rourou? Je regarderai. D'accord, Erwan. Piu piu, c'est électro, il est trop stylé. Voilà. On va le mettre là, à côté de Doc Ock. Ok, on reprend notre tête de Statue de la Liberté. Je remets de la zik. Voilà. On a été là, on est ici, et il faut rajouter des trucs sur les côtés. Voilà, voilà. C'est vrai que j'avais pas tilté à quel point il ressemblait à Balan. Je me souvenais qu'il y avait une petite ambiance théâtre et tout. Mais je me souvenais pas que c'était qu'il y avait un personnage qui ressemblait à Balan, qui avait des changements de costume et tout. Je me demande si c'est pas inspiré, genre ils ont vu le truc, ils se sont dit putain, il y a un potentiel, comme je l'avais dit à l'époque sur Balan, il y a un potentiel, venez, on le fait en mieux. Et avec Peach. Franchement, ça me paraît pas impossible. Je regarderai, mais je le ferai pas. Bah voilà, bah c'est aussi l'objectif de Twitch, de découvrir des jeux que vous auriez pas fait de toute façon en temps normal, et que vous allez préférer regarder, hein. C'est aussi à ça que ça sert. Ça va, c'est fini Portal? Ouais, c'est fini. C'était cool, mais sur la fin, ça a recommencé à crash de ouf. J'étais un peu triste du coup. Ah non, merde, j'ai pas mis ça du bon côté. Attendez. C'est de l'autre côté en fait. C'est de l'autre côté. Je sais pas s'il faut que ça dépasse ou pas. J'ai l'impression qu'il faut que ça dépasse. Là, ça dépasse de ce côté. Attendez. C'est bon, c'est comme ça. Ouais, relou les crashs. Mais c'est fini. C'est fini et c'était bien chouette quand même. C'était Kabeb bien chouette. Bien chouettos.
Du coup, on a ça qui va venir se mettre là. Et ça qui va venir se mettre ici. Sur le côté de la statue. Je suis là. Hein. Ok, après on a ça. Tac. Ah, c'était cool, et on a parlé manager toxique aussi. Rien à voir. On a fini Portal et parlé manager toxique. Même qu'il y avait Givre. Givre le BG. Ok. Et j'ai même dit que tu m'avais aidé à trouver de l'inspiration pour le follower goal des 1000 follow. Voilà. J'ai rendu à César ce qui était à César. Voilà. Toujours important de parler management toxique. Oui, toujours. Ah là, j'ai vraiment parlé de mon XP. J'ai un peu détaillé mon XP. Je le fais pas souvent, mais là, je me suis dit, vas-y. On parlait de méthode agile qui n'était pas respectée dans les boîtes de jeu. Et ça m'a évoqué ma situation. Ah oui, celle-là. Hop. Et on a lui. Qui va là? Voilà. Givre, c'est qui? Trop fort ou... Mais ouais. On parle beaucoup de Twitch, alors les idées fusent. Bah ouais. Moi, je sais pas si j'inspire grand-chose, mais... J'essaye. J'essaye. Tiens, je sais pas si je vous l'avais dit, mais... Les 10 pires jeux d'internet, l'idée du concept, à la base, c'est en discutant avec Rourou qu'on l'a eu. Hein. Je crois même que c'est ton idée à la base, non? Moi j'inspire et j'expire, c'est déjà beaucoup. Oh, faut mettre un gros autocollant là. C'est une image de la maison de Doctor Strange. Ah, je pense que ça symbolise les portails de Doctor Strange. Regardez, il y a un rond ici, c'est le portail de Doctor Strange. Cool. Ça turbine là-dedans. Bah oui. Regardez, il suffit que... Avec Will, il suffit qu'on parle 5 minutes et on trouve une nouvelle idée de jeu à faire ensemble. Alors, et on n'habite pas dans la même ville. Imaginez, avec Rourou, vu qu'on habite dans la même ville, on a plus souvent l'occasion de parler de ça. Du coup, ça fuse. Ça fuse. Et hop, on insère ça ici. Tac. À l'arrière de la tête. Je tousse. Ensuite, on a ça qui va là. Et ça qui va en dessous. Hop. Et après, on fait le run. Le run du portail. Je vais pas dire quelles ont été toutes mes idées. Rourou, aka l'inspiration de ma chaîne, tu sais. Il n'y aurait plus de Arnaud Ricou s'il n'y avait pas de Rousserante, finalement. Sans elle, j'ai pas une idée originale. C'est ça, ma vie. Voilà, le portail. Piu-piu, trop stylé. Salut Oracle, comment ça va? Ah non, il y en avait là que j'ai pas mis. Ah non, mais c'est... Ok. C'est pour relier le portail, attendez. On va faire ça mieux. Je vais tout enlever. Sauf lui, je vais le laisser. Et on va faire ça comme ça, je vais faire le portail avant. Comme il l'indique ici, finalement. Hop. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à le plugger. Et voilà. C'est à peu près solide.
Ça va bien, il faut que j'aille à la laverie, mais je trouve toutes les excuses du monde pour ne pas. Eh oui, un petit live sur Twitch est un bon moyen de procrastiner sa lessive. Je comprends. Got it. Ça fait du bien de traîner de temps en temps. À moins que t'aies d'autres choses de prévues, c'est pas grave. Hein. Ok, hop. Quelle heure il est ? 14h. Ah, quand même. Oracle sans qui je ne serais pas sur Twitch, histoire de rester dans le move. On rend à César. Cette famille, ce truc de laverie. Ah oui, cette famille. Tout le monde déteste la laverie dans la famille errante. On fait des compliments gratuits. Bah là, ouais, on rend à César ce qu'est à César. Je parlais des idées que Rousse m'a aidé à trouver pour la chaîne. Hop, on met la tête, le haut de la tête. Hop là. Elle fait flipper un peu cette statue. Ok, ensuite on est là. En fait, on est en train de faire la base de sa couronne, je pense. Est-ce que ce 900 pièces va être plus long à faire que le Sonic qui en avait 1100? Peut-être. Peut-être. Le lore s'épaissit. On erre pas n'importe où. Ah non, vous errez partout sauf à la laverie, visiblement. Je me demande si papa errant, il a le même problème. Ça m'intrigue, du coup. Hop. La base de la tête. Ensuite, on est là. Il y a 6 petits trucs comme ça à mettre tout autour. Probablement pour accrocher les branches futures de la couronne. Ok. Papa errant a une machine à laver, je crois. La laverie, c'est chez lui. Oh, la chance. C'est le seul errant qui a une machine à laver. Il y a une machine à laver par famille. Ok. Bah regardez qui voilà, c'est Givre. Incroyable, on parle de lui, il arrive. Bonjour. Bonjour les raids, merci Givre. Merci. Bou. Comment ça va? Est-ce que quelqu'un a un clavier sous la main pour faire un petit shoutout pour Givre? Salut Ella, salut Adri, comment ça va? N'hésitez pas à dandiner, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à dandiner, bienvenue chez Arnaud Ricou, c'est moi-même. Bonjour. Et merci à Ella Freya pour son follow. Merci à toi, bienvenue. Incroyable. Merci Rourou. Ça faisait quoi, Givre, depuis tout à l'heure, là? Rourou va pas s'en priver. J'avoue. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement sur un live craft afin de construire un magnifique Lego Spider-Man représentant la scène finale du film No Way Home. Regardez, nous avons déjà le Docteur Octopus, Electro, le Bouffon Vert, Peter Parker Tom Holland, Peter Parker Andrew Garfield et le visage de la Statue de la Liberté, voilà. On s'amuse bien. On a dégusté The Exite 8, c'est quoi? Je peux pas sur tel faire le shootout d'en haut. Ah oui, bah c'est pas grave. On s'en fiche. Dandiner. C'est toujours mieux que néanmoins. Ah ah ah! Attends, t'as pas fait la même blague tout à l'heure, Erwan, sur dandiner? Erwan qui essaye de ressembler de plus en plus à Akalis ou à Alain. Je ne sais pas. Ou les deux. Il y en a un, c'est mieux que l'autre. Hein? Je crois que j'ai oublié une page, non? Ah, j'ai oublié ça! Quel bolos! Attendez. J'ai pas backseat, s'il te dit ça, c'est qu'il ment. T'as backseat, Yuki? T'as tout dit. Le shootout d'en bas me remet à ma place. Mais attends, on parle de la nouvelle star de X, et pas du X. Enfin, je crois. Il mérite tous les shootouts du monde, le Givre. J'ai
J'espère que vous avez passé un bon stream chez l'ami Givre. Ah bah j'espère aussi, ouais. Franchement, j'ai pas beaucoup de doutes, en vrai. En vrai, j'ai pas beaucoup de doutes. Moi, à chaque fois que j'y vais, je reviens, je pleure de rire. Enfin, il me fait rire quand il existe, Givre, moi. C'est... IRL, t'as envie de lui faire des gros câlins, là, Givre. J'ai rencontré Givre IRL, vous vous rendez compte? Vous avez cette chance, vous? Bah, je crois pas. Il dit quoi? Je dis la vraie vie, en fait. Juste rajouter une phrase. Je t'ai vu, Erwan, hein, je t'ai vu. Yuki nous a peut-être fait drop une run. Ah! Ah bah super Yuki, super. Des bisous Ella, merci beaucoup pour le follow et bon courage pour le taf. C'est très gentil. Moi aussi j'ai de la chance, même que je l'ai vu deux fois et même que j'ai vu la régie deux fois. T'as vu la régie? La quoi? La régie de Givre? La régivre? T'as vu la régie? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit Yuki? La fameuse régie de Givre TV, mais non. J'avoue que le Givre est un être doux et drôle. Voilà. Voilà. J'ai des témoins de ce que j'avance. Vous ne pouvez plus vous cacher, monsieur Givre. Vous êtes démasqué, découvert. Ou à découvert, mais ça ne nous regarde pas. Plus maintenant que tu as percé sur X, d'ailleurs. L'argent de X. Peut-être plus récupérer un compte certifié, même. Je dis de la merde, ça va. JPP des deux, là, séparez-les. Rourou, tu viens devant. J'étais trop embarqué dans le jeu. Aïe, aïe, aïe. Le backseat par embarquement, je connais. Je ne le cautionne pas, mais je peux le comprendre. Mais je ne le cautionne pas. Ne backseatez pas. Comment ça? Ça marche pas, mon histoire. Il veut pas se poser dessus, lui. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah, je l'ai peut-être juste mal mis. Il était pas en face des trous. Comme mes yeux, ils sont pas en face des trous. Tout va bien. C'est posé. C'est posé, mesdames et messieurs. C'est posé. Zébosé. J'ai l'impression d'être Sparks dans Spyro quand je fais ça. Spyro le dragon. Qu'on embrasse bien fort. J'ai trop envie de le refaire Spyro aussi. Je filouille bosser, je reviens dans 5 minutes. Ça marche. Des bisous frère, merci pour le raid. Des bisous. C'est pas de la merde le givre, c'est du froid qui réchauffe, c'est vrai. C'est vrai. Je suis toujours devant. Oh bébou! Vous avez encore mis Rourou devant. Oh non, bébé. Bagondon. Hop. Je pense que c'est du sable hein, que je suis en train de lui coller sur la gueule. Au cas où on se demande. Oh, qu'est-ce que c'est? Je me demandais à quoi ça servait les trucs comme ça. Mais c'est donc maintenant. Zwip. Hop. Ensuite, il faut 14 trucs comme ça. Ah non, c'est qu'il faut en faire 2. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est logique. Allez, on insère. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Peut-être. Et de 6, mais ça dépasse en fait. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, il y a ça. Ah oui, pardon. Et le capot après. Il faut en faire 2. Il faut en faire 4, à mon avis même. Ah non, mais attends. Oula, je fais tomber des trucs. Est-ce qu'ils font toutes la même taille? Ils font tous la même taille. Mais j'ai l'impression qu'il y en a...
Ouais, il y en a deux où il y en a 7 et il y en a deux où il y en a 6. Ok, autant pour moi, my bad. My bad, my bad. J'ai. Alors. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et le capot. Voilà. Des bisous, Lumo. Merci d'être resté jusque-là. À bientôt. À bientôt, le Lumo. 1. 2. 3. 4. 5. C'est chiant ou pas? 6. 7 et au capot. Hop, et le dernier. Ça, à mon avis, ça va à la réserve. Hop. Est-ce que je peux d'abord les emboîter et après les insérer, à votre avis? 3. 4. J'ai tout jeté. Et je me suis cogné. Ça fait très mal. Le choc électrique sur le coude, comme on dit. Et voilà. Ah. J'espère que j'ai rien fait tomber. À part ma dignité, finalement. Et du coup, les 2 à 7, on les met là. Hop. Et les 2 à 6 à côté. C'est quoi? C'est les... probablement les pics de la couronne, en fait. Bizarre. Bizarre, en fait. Mais c'était le sachet 4. Ah! Nous allons bientôt découvrir Toby Maguire, avec ou sans masque. Du coup, c'est le sachet 5. L'antépénultième, comme on dit. Je crois qu'il est pas très long celui-là, il y a moins de pièces, j'ai l'impression. Du coup, avec ou sans masque, le Toby? Sachant que pour le moment, on a un Andrew Garfield avec masque, on a un Tom Holland sans. Qu'est-ce qu'on fait de Toby? Toby Maguire. Maguire. Bref. Il faut une petite poignée. Là, il a une petite poignée. Il fait... non, il y a pas... il y a un truc avant. Il fait piou-piou. Piou-piou la toile. Hop. Sachez que j'ai fait tomber mon tel et j'ai essayé de le rattraper n'importe comment dans cette pirouette. J'ai failli ban Yuki sans raison. Oh non. Oh non, c'est terrible. La bavure policière par échappage de téléphone. Oh non. Hop, j'ai la toile. Sachant que je pourrais lui mettre d'autres trucs si je voulais. Genre là, il y a des points. Je sais pas à quoi ça sert. Ça se trouve, ça va... Alors, il pourrait les avoir sur les mains, comme ça. Peut-être. En mode bouclier. Non, ça a pas l'air de marcher. Ah, si. Je pense qu'ils ont plusieurs... Ou alors, je peux même le mettre à la main, comme ça. On dirait des haltères de toiles. Ils ont plusieurs moyens d'avoir des toiles. J'ai des toiles en rab, en fait. Après, peut-être qu'elles arrivent plus tard.
Putain, elles sont bien ces émotes de Vente. Et ben, vous savez quoi? En l'absence de votre avis, je vais lui mettre. Est-ce que je lui mets les cheveux? Non, lui, je vais lui mettre. Je vais pas lui mettre les cheveux, je vais lui mettre le masque à lui. Tada! Piu piu! Piu piu, Pizderman! Piu piu! Biu biu biu! Biu biu! Ok. On reprend notre grosse tête. Du coup. Ah oui, j'avais pas vu, il y a ça d'abord. Du coup, on a des trucs comme ça ici. Et des deux côtés, j'ai l'impression. Et des petites pinces. Peut-être pour accrocher de la toile, justement. Il n'y en a qu'une. Et elle est ici, je crois, en plein milieu. Là, on a une barre qui va là, hop, pour cacher les attaches. Ensuite, on a ça qui va venir... Attendez. Peut-être on commence par celui-ci qui va là. Lui qui va à sa suite. Et le petit chapeau qui va là, on dirait. Ah oui, parce qu'il y a le même en face. Ok. Il y a le même en face. Non. Ah non. Bah non, Arnoricou. Réfléchis. Alors que je suis un vrai angel et que je fais rien de mal. C'est vrai. En même temps, tu peux pas backseat ici, hein. Peut-être pour ça que t'es sage, Yuki. Tu peux pas backseat sur du Lego. Enfin, je crois. Je vais peut-être être surpris, tu sais. Mets la pièce dans le trou à gauche. D'accord. Toujours sage, nique RC. Désolé qui le hasard maladroit a choisi sur l'autel du sacrifice impromptu. Il en faut, il faut faire des exemples de temps en temps. Il faut. C'est la loi martiale ici. Pas du tout. Je banne jamais personne en plus. Je suis genre laxiste. Peut-être pas jusque là, mais... Hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Quel genre de maléfice suis-je en train de créer? C'est une main de l'homme sable, je crois. Ah ouais, regardez, ça fait une patoune. Mais à quatre doigts. Je crois. Et je peux la mettre là. Sur la tête. C'est Dick Tarno ici. Toujours moi qui banne. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça arrive à Axia aussi. Mais c'est rare. C'est une petite patoune. Ok. Bam, 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 bam. Peut-être aller me refaire un café après ce sachet, mesdames et messieurs. Quelle heure il est? 14h20? Aurais-je fini à 15h? Je ne sais pas.
Il faudrait, parce que j'ai des trucs à faire après. J'ai streamé tôt exprès pour avoir mon après-midi. Ouais, re, ouais. Et du coup, ça bosse ou ça bosse pas, Givre? Quel est ton travail? Que faites-vous? Joker. Oui, ça bosse, je connais. Je connais. Ok, je peux empiler deux triangles comme ça, là. Le grand foie qui réchauffe est de retour. Ah, c'est beau, quand même. Si un jour, il claque un jingle, ce sera ça, son jingle. Givre, le grand froid qui réchauffe. Et maintenant, j'ai un jingle de plus à faire pour Dialoguer. Il faudra que je mette ça dans son jingle. D'après une description originale de Yuki Dao, tout à fait. Hop. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Regardez, le petit Spider-Man, il avance sur la frise, on a fait plus de la moitié. La vache, c'est long. C'est plus long que ce que je pensais. Mais je m'amuse, alors ça me va. Vous amusez-vous? Moi, oui. Je m'éclate. Je me régale la bedaine. Je suis pas au frais, je suis un mou de chocolat chaud, feu de bois, tandis que la neige tombe. Oh, c'est beau. Le jingle, ouais. Oui, bah ça vient. J'y travaille. Mais c'est difficile aussi de faire des jingles, j'aimerais bien vous y voir, bon, vous, Madame Rourou. Je me fais fâcher. Je suis un orico et je m'amuse un max, et toi? Ah, je m'amuse goulayeusement, bien sûr. On s'éclate ici. On s'éclate comme Jaja avec des Legos. Ni de vivre dans ce mood en faisant du crochet. Oh. Tu veux vivre en dans givre? C'est bizarre cette phrase. Après, pas de king shaming. C'est du second degré. Attendez. Alerte second degré. Alerte second degré. C'est une blague. C'est pour rire. À côté. C'est pour rire. C'est pour rire. Attendez, hop. Je suis perdu. Je fais des blagues à la con et du coup je me perds. C'est où? C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lui. J'ai tombé. À côté, c'est bien. Allez, à côté. Ça part. On va venir vivre à Montpellier comme ça. Pour ça, j'y vais. On a une raclette à faire, d'ailleurs. Spoiler, raclette. Hein. Hop. Et hop. Ah, ça réduit la mobilité des espèces de kiki du côté là. Faut voir pour une date, tout à fait. Tout à fait. Je dois faire un stream cuisine déjà, moi. Techniquement, je dois faire un stream cuisine. Peut-être que ce sera l'événement du mois de mars, qui sait. Peut-être ça que je fais après les 12 heures. J'ai hâte de revoir Givre et de faire des trucs cool là, ben ouais. C'est grave en fait. Putain. Ok, faut en faire deux. Faut faire lui aussi. C'est ça que je veux. J'ai. Et du coup, ils sont face à face sur la tête. Mais du coup, la patoune de l'homme sable, elle est à l'intérieur.
Merde, évidemment, je l'ai mis du mauvais côté. Ah, j'ai tout cassé. Ça va, vous avez vomi? Désolé, j'ai tapé dans le pied. Stream cuisine, stream piscine, beaucoup de streams spéciaux à venir. Bah ouais, tout à fait. Avec toujours plus de goals. Je vais pas faire des goals à chaque fois que je fais un stream spécial. Genre typiquement, je pense que... Je sais pas si je fais des goals pour le stream 12h du Weekend Pro. Si j'en fais, faudrait que j'ai la bonne idée, quoi. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui s'est décalé, là. Ah non, je sais. Oui, il y a une barre qui est... Quand je me suis trompé, il y a cette barre-là qui s'est décalée. Ah merde, attendez. Ça pouvait pas marcher. J'ai fait un AVC, mais ça va, c'est revenu. J'ai redémarré mon cœur, tout va bien. Je vais chercher les médocs de bébé chat. Ça marche, Erwan. OnlyFans en parlant de goal. Ah oui, pas encore. J'ai dit courant février, il faut que je m'y mette. Mais c'est pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, il faut que je m'y mette. Il faut que j'ouvre cet OnlyFans, mesdames et messieurs. Du coup, pour suivre ce que dit Wisebot, tu as quel âge, Arnaud? Moi, je peux le dire parce que je suis majeur et vacciné. Moi, j'ai 31, moi. Et vous le dites pas, surtout si vous êtes pas majeur. Enfin, après, si vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez car vous êtes majeur. Mais si vous êtes pas majeur, fermez-la. Je veux pas savoir votre âge. Si vous êtes pas majeur. Ok, et du coup ça va. Ah, ça va comme ça. Ça va comme ça sur l'avant. Putain. Ça commence à devenir compliqué d'insérer des trucs sans en péter d'autres. Cette phrase est étrange encore. Yuki problématique. Bébou Arnaud. Ah bon, 31 c'est Bébou. Merde. Je pète tout. 31 c'est Bébou. Ça me rassure, j'imagine. Ok, hop, je suis là. Hein. Vous suivez ou pas? Bon, ça va maintenant. Hop. Du coup, ça va en dessous, ici. Vous voyez pas ce que je fais parce que je suis hors cadre, mais c'est normal. Et après, on fait ça, là. Il faut que j'en fasse 4. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Juste, il faut les mettre, quoi. Deux. Trois. Quatre. Et enfin, le petit comme ça, qui va ici. Et bim! Voilà. Si on est majeur deux fois. T'as le droit de le dire, Adri, t'as le droit de le dire. Adri, problème. Adri, respectable. On est tous des bébous. En fait. Full bébou, Easy. Bienvenue sur la jette des bébous. Ici, on est bidon et on joue au Lego, d'accord? Oui. Typiquement, peut-être un truc que mes anciens collègues ne comprendraient pas. Lol. Oui, je suis toujours là-dessus. Mec trop chiant qui veut pas passer à autre chose. Hop. Hop. Et ça, tac. Voilà. Et ça va. Ah oui, non, ça se baisse, ok. Je l'ai mis là sur le crochet. Mais en fait, ça se baisse. J'ai oublié la moitié ici.
Hop, j'avais oublié la moitié. Mais oui, ça se baisse, ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Gougou, Axia! On est tous des bébous, oui, des gros bébous. Ça les gote de ouf, comment tu vas, Axia? On est tous des bébous. On joue aux jeux vidéo, donc on est des enfants, t'inquiète. Ouais, c'est ça. C'est ce que disent les vieilles personnes, ça. Je me demande s'il y a encore des gens qui disent ça premier degré de notre âge. La réponse est très probablement oui, et c'est très étonnant, mais... Ok, ensuite on fait ça. Quoi de neuf, Axia? La pêche? Je prépare mon petit déj. Oh, c'est le matin. Et bah sache qu'ici, il est 14h30 et qu'on est déjà en live depuis 4h30. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et on a fini Portal. Et c'était bien, mais malgré les crashs. Ok, ça se met à l'envers comme ça. Oula. Ça fait des cracks. Ça me fait peur. C'est quoi? C'est le menton? C'est le menton de la statue. Super. Le live a bien commencé. Plutôt, ouais. Franchement, ouais. Jusqu'à ce que Portal se mette à cracher, ouais, carrément. Garebo. Et là, je trouve qu'on avance plutôt rapidement sur ce Lego. Il reste 2 sachets après. On est au 5e déjà. Où ça va, ça? Ah, ça s'accroche à la pince ici. Ok, c'est accroché. J'ai peur, plus ça avance et plus ça m'a l'air fragile comme support là. Ah, et après j'ai des autocollants à mettre sur cela. Hop. Quand on t'en demande, bon, c'est pour quand le bébé? Bah, tu réponds aussi, j'ai pas l'âge. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que c'est 16 autocollants, là, pour le coup. Portal a encore give up. Ouais, genre, hier, j'ai eu aucun problème. Genre, enfin, quasiment. Ça a crash 2 fois en 4 heures, donc c'était carrément ok. Et là, ce matin, ça a pas arrêté. Genre, typiquement, la cinématique finale, j'avais fini le jeu, ça avait fait la dernière save, et la cinématique finale avant le générique, j'ai dû redémarrer le jeu 4 fois pour l'avoir. C'était bien chiant. Hop. C'est un Lego de quoi? Il y a des morceaux, on dirait des knackis. Alors oui, je sais pas trop pourquoi, mais c'est un Lego Marvel. C'est un Lego Pizdorman. C'est un Lego Pizdorman, en fait. Regarde, il y a les Pizdorman, là. Et les méchants et tout. Et oui, je suis un enfant. Là, il y a la même chose, mais avec des 3. Et du coup, il y a des autocollants aussi en... Ben voyons. On est en train de faire les branches de la couronne de la statue de la liberté, finalement. T'as-tu compris? Peut-être que Pizdorman, il aime les claquis. Peut-être, ouais. Peut-être Pizdorman est un fan de Knacky. On apprend tous les jours sur son héros préféré. Hein. Hop. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Regardez, ça commence à prendre forme un peu. Et après, je pense qu'il y en a 3 de longueur 4. C'est bien ça. Et ils sont là. 1. 2. Et 3. Et après, on va l'ajouter sur la base. Oh oui! Non, ils sont là, mes stickers. J'étais perdu. Je croyais qu'ils étaient tombés. Pas du tout. Pas du tout.
Hop. Hop. On est pas mal, on est pas mal. Ça va être l'heure de me faire un petit café. Hop, je les ajoute, je vous montre. Tadam ! Ils sont pas assez relevés. Incroyable. Et du coup, on va aller le poser sur la base. La base que voici, qui a déjà été effectuée. Il me demande de mettre un truc d'abord. Ça se met là, j'imagine. Ça, ça va dans la réserve. Et on pose la tête en plein milieu. Le petit kawa, mais où est le kawa ? C'est badant ou pas ? À la caméra, je la trouve un peu badante, cette tête. Ça me fait rire. Qu'est-ce qu'il montre ? Ah, il montre l'endroit où je dois mettre ça pour avoir le sens. Ok, super. Oh, c'est Doctor Strange. Prochaine étape, Doctor Strange, mesdames et messieurs. Mais je reviens dans 2 minutes, le temps de faire couler le café. Et je suis à vous. Regardez, ça, c'est le bouton pour vous, pour me mute. Alors que là, vous m'entendez. C'est marrant, hein. Vous avez les coulisses. Allez, à tout de suite, j'arrive.
Allô ? Vous êtes là, heureux ? Heureux en fait. Je kawatte présentement, et bah bien, regardez. Regardez comme il est beau ce kawa là. Je peux vous montrer mon café, je peux pas le faire. Regardez, ça fume, c'est beau. C'est la super tasse Star Wars. D'habitude, je peux pas vous montrer l'intérieur de ma tasse. Alors que de toute façon, on s'en bat les couilles. C'est l'intérieur d'une tasse. Allez, sachez 6. Ah, je le trouve pas énorme lui non plus. Cool. J'ai hâte de voir la fin. Par contre, j'ai vu la cape de Doctor Strange. Vraiment de la quantité de plastique. Il y a toujours un sac dans un sac. OMG, les FX, c'est fou, non ? Un sachet 6, sachant sachet 106. Attends, quoi ? Un sachet 6, sachant ça. C'est indisable. Attends, je vais y arriver, je vais y arriver. Un sachet 6, sachant sachet 106 est un bon sachet 6. Un sachet 6, sachet 6. Un sachet 6. Un sachet 6. Un sachet 6. Un 6 sachet. Un sachet 6. Un gigi. Non. Un gigajou. Un gigajou. Un gigajou. Oh, le petit regard malicieux là de Doctor Strange. Ça veut pas faire le point, c'est pas grave. Un sachet 6, sachant sachet. On va savoir sachet, sachant sachet 6. Oh la cape! Let's go! J'adore ce perso, Doctor Strange. C'est trop dommage pour son deuxième film, quand même. Que ce soit. De la merde! Pardon, j'ai crié. Ben, j'ai parlé fort, quoi. Vous êtes choqués ? C'est normal. Une saucisse sèche se sachant 6, c'est se saucer. Je sais pas si c'est ça, hein. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? 16 chaises sèches ou 16 chaises... ou 16 sèches chaises. C'est indisable aussi, ça. Oui, piou piou piou, Doctor Strange, you know, hop, avec le bouffon vert.